Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. On est dans notre département électroménager pour vous présenter une nouvelle marque. Une fois n'est pas coutume, vous connaissez plein de choses, je sais, vous nous suivez régulièrement, mais là, c'est une marque un peu particulière. C'est des frigos, des réfrigérateurs un peu particuliers. Alors, Fisher & Paykel. Alors, ça sonne un peu comme une marque de jouets, mais c'est pas ça du tout. Alors, on est sur quoi ici? On est sur un frigo d'une taille un peu spéciale. Je sais pas si vous le voyez, on est sur 79. 79 cm de large. Alors Fisher & Paykel, c'est quoi? C'est qui? C'est une marque, c'est un fabricant néo-zélandais, okay, qui est première marque en Nouvelle-Zélande et également en Australie. Alors, vous allez vous dire, ok, c'est loin, vous voyez un peu la taille des pays que vous avez là-bas. Donc on est quand même vraiment sur un gros acteur mondial de l'électroménager qui tranquillement est en train d'arriver chez nous. Et il nous propose quoi? C'est ça qui est important en fait. Parce qu'au final, c'est pas pour vous montrer spécifiquement ce que le frigo peut faire. C'est un réfrigérateur américain no frost, donc sans gire, avec une belle conservation. Ça, vous le savez. On est d'abord sur un look type américain. Ça, c'est très important. Donc ça change un peu des frigos soit allemands, soit coréens. Donc, très grande porte. On est sur un look plat, on est sur un inox, un véritable inox plat. Attention, on a un traitement qui limite les traces de doigts ici sur cet appareil. Petite particularité ici au niveau du distributeur d'eau, j'aime bien le signaler, c'est que vous avez ici la sortie qui est légèrement inclinée où vous pouvez mettre des carafes. Voilà, c'est un détail mais c'est important d'être signalé. On est dans des normes ici un peu plus larges, on met vraiment des pintes de lait ici. Vous avez vraiment une belle profondeur des balconnets de porte. Alors, ce que je voulais surtout vous montrer, outre l'appareil en soi, vous avez deux choses que je trouve très intéressantes. Tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle un Active Smart. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Vous avez plusieurs ventilateurs dedans et vous avez en fait des détecteurs qui en fait vont détecter les endroits où vous allez dans votre appareil. Car imaginons, si vous allez plus souvent dans le bac ici en bas ou dans votre surgélateur, il ne va refroidir que les zones que vous avez visitées. Ça vous permet d'abord d'avoir un froid optimal dans votre appareil, okay, vraiment une belle chambre froide, et de ne pas trop consommer. On est sur un appareil ici A+. Donc l'Active Smart, c'est une réelle avancée dans votre appareil. Imaginons, ce n'est pas parce que vous avez ouvert votre surgélateur qui va commencer à refroidir tout l'appareil, c'est consommé inutilement. Donc là, on va dire qu'il a un refroidissement intelligent. Donc, c'est une nouvelle marque qui arrive sur le marché. Ok, on est distributeur, d'accord, mais ce n'est pas parce qu'une marque vient de Nouvelle-Zélande que forcément c'est moins bon. Donc c'est vraiment un fabricant. Le distributeur est en Belgique, évidemment. Alors, pour l'information, j'aime bien le préciser, le stock se trouve en Angleterre. Donc ce n'est pas si loin non plus, mais j'aime que vous soyez au courant du monde. Et on sait également où tout ça est situé. Donc, un autre petit truc que je trouve sympa, au niveau des fabriques de glaçons, vous avez en fait... Les glaçons vont en fait arriver dans ce bac-ci, donc en fait il vous suffit de vous servir. Autre particularité, le filtre est extérieur, c'est important à savoir. Et vous avez une fonction sur le frigo qui est ce qu'on appelle un choc freezer. Alors le choc freezer permet d'abord de frapper des bouteilles, si vous devez servir du champagne ou même du vin blanc, vous pouvez frapper une bouteille. Et également pour refroidir vos pâtisseries, en fait vous avez un refroidissement beaucoup plus rapide dans votre surgélateur. Voilà, c'était une vidéo un peu plus courte, un peu plus informative au niveau des nouvelles marques qui vont apparaître sur le marché en Belgique. Ça s'appelle Fisher & Paykel. Comme ça, vous savez vous faire une opinion. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer voir un magasin et vous rendre compte vous-même du produit et de sa qualité. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest et également Twitter. Comme ça, on partage les vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!